Et Phil Anselme fait partie de cette scène dijonnaise. Il a présenté hier son troisième album. Il a été financé en partie par des particuliers via Internet. Des mécènes invités hier à rencontrer l'artiste. Sylvain Bouillot et Cécile Clavaux. Parfois l'on est face contre terre. Bonjour à tous, je m'appelle Phil Anselme. Je suis auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, je cherche à élargir mon public et c'est pour ça que je fais appel à vous par l'intermédiaire de My Major Company. 3 mois et 4900 euros plus tard, 106 personnes ont ainsi produit son nouvel album. En contrepartie, un concert privé et la distribution du fameux CD, mais surtout la rencontre avec l'artiste. C'est très agréable, une belle soirée. En plus, j'adore Phil Anselme, je les suis depuis très très longtemps et j'ai déjà les CD précédents. J'ai écouté ses musiques, ça m'a très bien plu et je voulais l'aider à continuer dans son projet. Je connais Philippe depuis longtemps, depuis qu'il est tout petit, et donc voilà, j'ai participé à son disque. Vous l'aurez compris, parmi les contributeurs du web, beaucoup de proches du chanteur, mais également de nouvelles têtes. Un certain nombre de personnes, effectivement, que j'ai croisées, que je ne connais pas, qui m'ont dit bonsoir, mais je ne sais pas qui c'est agréable aussi. Des personnes qui ont le sourire, qui viennent aussi et qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'on est en train de conquérir de nouveaux publics. Oh, j'ai pris le temps en vert. Le financement participatif, c'est bien sûr une façon de récolter des fonds pour un projet, mais c'est aussi un moyen de se faire connaître plus largement sur Internet, sur un site fréquenté par de nombreux curieux de la musique. Quand je vois cette soirée avec tous les gens qui sont là ce soir, moi je suis ravi et ça me donne envie de continuer. Et donc cette soirée-là, c'est aussi pour dire, c'est l'aboutissement du projet de ce troisième album, mais c'est surtout le début des nombreux concerts qui vont être par la suite. Le temps qui court. Sans un répit. Pendant une heure, contributeurs et invités ont pu écouter et voir en chair et en os leur poulain. Pour eux, c'est sûr, ce concert est le point de départ d'une grande aventure musicale.